Salut YouTube. On est de retour sur le jeu de la drogue. On veut aller plus loin, on veut découvrir plus de choses. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas encore tout fait dans les cavernes cristallines. Moi, je propose qu'on retourne là-bas. Oh, Danger 2. Terminé la plongée. Équipé 4 armes. Amélioré minigun. Équipé 4 armes cinétiques. D'accord. Amélioré minigun alimenté tempête de plomb au niveau 18. Ou minigun, c'est la Gatling du soldat, ça. Ah mais on a le foreur, on a un nouveau, on a un petit nouveau. Oh, ok. Spécialisé dans les sévices sexuels, particulièrement sordides visiblement. Mais très bien. Oh, il est stylé, j'ai pas essayé lui encore. Bah on va l'essayer lui d'abord. On va peut-être pas aller en Danger 2. Allez, on va retourner au noyau magmatique. Ah, j'ai débloqué le noyau, le Danger 2 partout. Non mais si, on va faire du Danger 2 alors. Ah non, pas celui-là. Terminer la plongée. Ah oui, j'ai pas fini la plongée. J'étais mort comme un caca. Je me souviens. Ok, allez, on essaye de finir celui-là alors. Faut juste finir la plongée, c'est tout. Hein. Alors, Subata I-20. Arme à haute cadence de tir qui tire derrière vous. Inflige des dégâts cinétiques. Lui, ça doit être... Lui, j'imagine que c'est le mec qui va à fond la caisse. Bah oui, forcément. Hein. Le foreur. Bon. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Trop bien. Oh, ce petit jeu de la drogue, du plaisir, de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce que je dois récupérer? Attends, il a que dalle. Attends, je rêve ou il les tape? Mais non, il les tape pas au corps à corps. Plus 3 d'armure, plus 10% de dégâts. Nul. Tout est nul. J'ai l'impression... Ah, alors là, voilà, le jeu m'a entendu là. Permet d'imaginer que l'arme est maintenant beaucoup plus jolie, augmente le niveau de l'arme de 3. Bah, on va partir là-dessus direct, c'est pas dégueulasse dès le début. En cassez-vous les trucs. Ah ouais, mais par contre, ouais, zéro dégâts quoi pour l'instant. Oh, tous les volants. Ok, il me faut 6 fleurs. Ah bah, on l'a déjà 3, c'est cadeau. Bim 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 bim. Il fait un petit massage là. Il était en train de lui dénouer les épaules à la roche. Il comprend la roche. Il parle à la roche. Il écoute la roche. Il masse la roche. Il lui la roche. Ah, plus 15% de rendement à massage, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça aide le star. Bon, pour l'instant, je sais pas, je connais pas le perso. Hein. Eh, vas-y, viens là que je te fasse un petit massage. Pouette, 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 pouette. Ouais, faudrait que je... Oh! Ah, il pose des tourelles aussi, lui. Oh, lance-flamme. Tire un rayon rotatif incendiaire qui brûle les ennemis, inflige des dégâts de feu. Sentinelle Krakatoa. Mais le... J'imagine que l'ingénieur, il peut l'avoir aussi, ça, alors une tourelle. Déploie une tourelle lance-flamme qui tire des rayons incendiaires, restez immobile pour assembler les tourelles. Ah ouais, je pensais qu'il n'y avait que l'ingénieur qui pouvait avoir ça. Incroyable. Une grenade qui explose en infligeant des dégâts importants, inflige des dégâts cinétiques. Oh, allez, on va tester le lance-flamme. Ah oui, d'accord. Oh, mais c'est incroyable contre les hordes, ça. Waouh, c'est génial. Allez, venez. Hein? Non. Y'a plus. Y'a plus. Vite. Ah, c'est bon, ça rechargeait. Ah oui, c'est pas permanent, bah oui. Oh, en plus, quand ils sont en feu, ils continuent à cramer. Oh, trop bien. Petite fleur. Allez, vite, dégage-moi tout ça. Lui, au moins, il va aller vite. Oh, mais lui, avec du boost de minage, il va tout droit, en fait. Il va tout droit, il fait tout. Yeah. 10% de dégâts critiques, 10% de rechargement, plus 10% de dégâts. Putain, j'ai pas énormément de bol, là, hein. Oh, allez, vas-y, on va faire un peu plus de dégâts critiques, mais vraiment, c'est pas ouf, là. Allez, explosez les machins, là. Ok, là, on est pas mal, hein. 15% de cadence de tir sur le flingue. Bon, on va toujours prendre ça. Ok.
Ceinture protectrice et frz. Repousse et ralentit les ennemis proches lorsque vous subissez des dégâts. Augmente le soin reçu en montant de niveau. Gagne de l'XP lorsque vous subissez des dégâts. On va prendre le... Augmente le soin, machin. Plus 15% de cadence de tir. Augmente l'arme de 1. Bah ouais. Ah. Ah oui, c'est son arme de base, donc ça overclock dès le début. On doit pas débloquer. Modifie le dégât en feu. Donc après, on pourrait aller à fond sur augmentation des dégâts de feu. On a 25% de vitesse de rechargement, plus 100% de taille de chargeur. Non, vas-y, va, donne-moi les dégâts de feu, là. Comme ça, on va faire un build simple. Plus 15% de dégâts critiques encore. Bah ouais, dégâts critiques, d'accord, mais là, j'ai quoi, là? Dégâts, tatata. Hein? Ah, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de modificateur critique pour l'instant sur les armes. Donc, chance de critique, 7% quand même. Ah, chance de critique, 7%. Allez, plus 15% de crit. La couleur des dégâts critiques, c'est quoi? C'est rouge? Les dots, ça crit pas, me semble. Ah, sérieux? Ça crit pas du tout? Ah, merde! Ah, ça serait pour ça que les armes... Oui. Non, mais parce que là, même l'arme de poing, il est pas marqué. C'est qu'elle est sur le dégât critique de base, en fait. Elle n'a pas encore de modificateur de critique sur l'arme. Ah si, tout crit, ok, d'accord. Plus 15% de cadence de tir, plus 6% de chance de critique. Bon, tiens, allez, vas-y. Si on a déjà un peu de critique, on va augmenter encore un peu le critique. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Mais je voudrais bien voir les crits. Là pour l'instant, il doit y avoir une couleur pour les critiques. Merde, il me manque une fleur. Oh, comme il prend tarif! Non, il me faut une fleur! Ah, c'est trop con! Il va mourir comme un caca! Oh, je voulais pas le tuer, j'ai pas fait exprès! 15% de vitesse de rechargement, 15% de dégâts. Oui, n'importe. Mais j'ai pas fait exprès. Je voulais pas le tuer. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a pas de... Soit il y a pas de couleur. Ah non, il y a... Ah, il y avait un dégât blanc, là. C'est peut-être ça, en vrai. Ah, je suis dégoûté. Les crits sont en gras. C'est toi qui es gras. Pardon, c'était gratuit, mais de temps en temps, c'est rigolo. 15% d'une tâche de rechargement. En gras, putain, mais c'est pas clair. Hein. C'est pas très très clair. Pourquoi il y a des dégâts en blanc et d'autres en jaune, alors? Oh, le plus 10% de minage. Ah bah, c'est trop cher. Non, j'ai pas miné assez pour un mineur, c'est quand même très con. Et du coup, je ne peux pas avoir de bonus de minage. Oh, la déception du mineur. Ah oui, je peux rien acheter, j'ai vraiment rien branlé sur cet étage. Tout va bien. Alors, collecter de la morkite, c'est parti. Bon là par contre, on va chercher des trucs. Hein. Non mais... Ah oui, en gras. Oh putain, ça, c'est pas très clair. Hein. Pas très très clair. Hein. Eh bien, là, que je te fasse un petit massage, toi. Ah, là, de l'or. Il y a aussi ces trucs-là que je vais prendre. Tac, 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 tac. C'est pas terrible ce qui se passe, là. Attendez, je récupère le sucre au passage. Ah, augmente les dégâts incendiaires, on y vient. Je prends les trucs, foutez-moi la paix. Très pratique, le tir en arrière, n'empêche. Voilà, prenez mon jet. Prenne tarif quand même. Hein.
Mais là, ce que j'aurais quand même bien voulu... Oh, regardez, oh, cette belle gemme. Mmh, alors, on a passé une mauvaise journée. plus 25% de vitesse de rechargement. Ok, il monte. Le lance-flamme n'est que niveau 2. Augmente le niveau de l'arme de 1, plus 15% de vitesse de rechargement. Et on va quand même bourrer un peu le lance-flamme. Bon, le lance-flamme sur les gros, par contre, c'est un peu moins clair. Toujours pas trouvé de mort-kit ? On est déjà à la moitié du truc. Oui, par contre, effectivement, je crois que les petits, une fois qu'ils sont en feu, c'est good. Hein. Cassez-vous, cassez-vous, je passe. Voilà. Tac, tac, tac. Ah non, c'est bon. Hop. Oh oui, il est mort. Nice. Ah, nouvelle arme. Donc la grenade ou... bah là, on va aller full incendiaire. Hein. Octroie une faible chance de trouver de l'XP. L'XP que... ouais, prendre l'XP quand je prends des dégâts. Octroie une faible chance de trouver du nitra. Bah oui, avec lui, il faut prendre ça. Plus 20 PV max. On va augmenter le niveau du lance-flamme. Je peux en poser combien des tourelles? Ouais. Ouais. Ça pivote doucement par contre. Mirali. 15% de rayon de ramassage. Ah oui, la tourelle qu'il faut overclock aussi. Allez, vas-y, je prends le ramassage. Ça va, en point de vie. Il encaisse bien aussi lui, hein. On dirait un espèce de mix entre le soldat et l'ingénieur. Oh oh oh. Merci. Non, déjà le boss. Oh. Augmente la durée de vie de toutes les armes à rayon. Ah ouais, mais j'ai pas moi ça. Augmente le niveau de l'arme de 1 plus 35% de dégâts. Oh, vite, donne-moi le sucre. Yeah. Mais j'ai zéro mort-kit. À Paul la mort-kit. Ça va pas ça. Il meurt trop vite le boss, c'est incroyable. Laissez-moi le temps par pitié. Non mais il est vraiment, hein, il prend trop tarif. Hein. Rayon égale flamme. Flamme c'est rayon. Il y a de la mort-kit là. Et le nitra, je le veux bien aussi. Hein. Je sais pas si j'y arriverai la mort-kit honnêtement. Non, il va crever l'autre. J'arriverai pas à avoir les 20. Je vais surtout essayer de récupérer les... Merde, mais putain. Il crève beaucoup trop vite. 35% de vitesse de rechargement et augmente le niveau de l'arme de 1. Oh, le grid. Oh, le grid. Oh, le grid. Oh, c'est bon. Il est solide, hein. Il est trop fort. Les lance-flammes, c'est incroyablement puissant. En fait, c'est puissant contre les... Oh, petit légendaire. C'est incroyablement puissant contre les hordes, mais c'est aussi puissant contre les gros mobs. Incroyable. Ding, ding, ding. Donc lance-flamme, c'est considéré comme une arme à rayon. Merci Shinta pour les 7 mois. Bonne chance dans les mines. Mais tout se passe bien. C'est vraiment une arme à rayon, le truc. Salut Eventis. Eh, toi, tu dois avoir l'info, toi. T'as déjà 60 heures de jeu là-dessus. C'est quoi, les armes à rayon? Est-ce que c'est lance-flamme? Est-ce que c'est confirmé, ça? Merci Monsieur Bodybon pour les 4 mois aussi. Je pense pas l'avoir dit tout à l'heure. Il y a le hub des flèches bleues. Mais c'est pas clair les flèches bleues parce que parfois ça s'affiche pas. Hein. Ah mais là ça s'affiche donc c'est bon.
Mais c'est pas très clair les flèches bleues. Hein. Il y a certains cas où ça s'applique partout et du coup il met la flèche nulle part. Enfin, c'est pas toujours. Pas toujours clair. Moi j'aime pas quand c'est pas clair. Si ça s'affiche pas, c'est que c'est tout. Ou rien. Et là t'es guaqué. Ah! Bon, du coup il y a ça. Bah de toute façon c'est deux ressources différentes donc je peux prendre les deux. Je peux prendre le 50% de cadence de tir et le 15% des... augmente la portée des armes à rayons. Très bien ça. It's a little extra special. Oh, augmente les dégâts de toutes les armes. Plus 15%. Il y avait le vitesse de minage qui pouvait être chouette aussi mais on est déjà rapide en termes de minage. On me dit de te dire que les dots critent pas. Alors, bon, mettez-vous d'accord parce que j'ai eu trois fois l'information inverse. Enfin, je veux dire, j'ai eu l'information inverse, puis l'autre information inverse. Donc écoutez, moi je ne demande qu'à vous croire, mais dites-moi qui je dois croire. Je sais que vous savez, et le truc c'est que moi je sais que je ne sais pas. Mais qui? Qui sait qu'il sait? Vous, vous savez que je ne sais pas, puisque moi, je sais que je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas que vous savez. Merci Toussina pour les 41 mois. Bah, attendez, c'est pas compliqué. Je fais que des dégâts de feu, là. Il suffit de regarder. S'il y a de temps en temps un petit... Mais si, il y a des chiffres en gras. Si, si, ça crit. Bah si, regardez, il y a du crit. Voilà, maintenant je sais que je sais. Et vous, vous savez que je sais aussi. Et maintenant, vous savez que vous savez. Donc vous pouvez dire à d'autres gens que vous savez. Désormais, c'est bon. C'est valide. Ah, je passe pas là. Vraiment. Il faut des fleurs. Il faut des fleurs. Tiens, fais voir un peu toi en combien de temps tu cannes. Petite fleur. On a une là. 5% de vitesse de minage, non. Augmente la durée de vie de toutes les armes à rayon. La durée de vie pour les tourelles, ok, mais pour le lance-flamme que j'ai sur moi, comment ça? Comment ça? Attends, j'en suis où là? Il y a le drop qui est tombé quelque part là. Ça fait un moment d'ailleurs. Ah mais non, je l'ai pris. Faudrait un petit aimant là. Y a pas de fleurs là quelque part vraiment. Ah. Donc ça c'est toujours un grand oui. Vas-y, pose tes tourelles. Là, il y a un peu d'XP à se faire. Oh là 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 là. On est combien là avec le lance-flamme? Niveau 5. Putain, c'est pas ouf. Hein. On va atteindre le niveau 12 quand même. Les explosifs commencent à me faire mal. Aïe aïe aïe! Ok, les niveaux vont me soigner. Pose-les, c'est bon. Oh non, mais il est là encore, j'ai trois fleurs, vas-y. Oh là là. Ah non, il est là le pote, je l'ai pas eu. Putain, je confonds les étages. Et il y a une fleur, il m'en manque deux, c'est quand même très con ça. Non. Oh, tout juste. Ah, augmente vos dégâts infligés d'1% pour chaque 5 d'or que vous possédez. Oh. Ah ouais. Ah, c'est bien ça. Donc là, ça me fait déjà un petit 20% de dégâts en plus, quoi. Oh, la mauvaise idée que je viens d'avoir. Ah. Ok, il faut du sucre. Faut du sucre d'urgence. Je suis dans la merde. Sachez-le. Ah, ah. Et vas-y,
offrez-moi. Ah non, je m'en doutais. Là, j'ai été trop greedy. J'ai été trop greedy. Elle compte pas. Celle-là, elle compte pas. C'était pour apprendre sur le perso. Oh. Oh. Pompe à résidu caustique. Hmm. Allez. Ah, mais des améliorations de trucs. La chance que je peux augmenter aussi. Bah, très bien. Il est chouette le foreur. Les mêmes calculs que moi pour mes factures. Ah, la mort quitte. Ah, ça pouvait être marrant l'or. Ventis, il fait de plus en plus de dégâts, plus il adore. Oh, celle-là, je la sens bien. Oh, le plus 10 de chance dès le début. Tiens, si je pète le sucre rouge, il me donne... Oui, il me donne un peu d'XP aussi. Parfait, parfait. Pouette, 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 pouette. Allez, il est un peu lent, avoir un peu de vitesse de déplacement et puis après un peu de vitesse de minage et on est le roi du pétrole. Allez, faut que je trouve des ressources là. Bart ! Trouver la balise de ravitaillement. Ok, elle est là-bas. Je peux aller là. Allez. Je suis... Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est là. Je suis quel niveau encore? Il est où mon niveau? Augmenter vos PV max de 2 lorsque vous ramassez du sucre rouge. Il est plutôt bon lui pour ramasser du sucre rouge en plus. 6% de gain d'XP, 9% de chance de crit. Faudrait un aimant là parce que... Ah, fait chier les explosifs qui vont m'empêcher de passer. Là il y a des ressources, il y a de l'or et il y a du nitra en bas. Salut Arnaud. Bah merci monsieur Wav, je suis mis à la drogue à cause de vous. Mais il est trop bien franchement. Dégâts cinétiques pour la grenade. Non mais la tourelle lance-flamme par contre, c'est giga fort. C'est limite encore pire que le lance-flamme. Parce que je la laisse derrière moi et elle fait le taf quoi. On a l'avantage d'une tourelle et en plus l'avantage du lance-flamme qui balaye en zone. Et qui reste braqué sur les ennemis. Bon voilà, je prends un peu de dégâts volontairement. C'est calculé. Mais comme ça, je vais pouvoir trouver du sucre rouge et augmenter mes PV max. Parce que je vais consommer le sucre rouge que si je suis PV... Si mes PV sont à fond, ben je consomme pas le sucre rouge. Vous comprenez? Et voilà, encore des PV max. Je vais être un tonk. Ah ben voilà du sucre rouge. Ouais. J'ai pas trouvé assez de mort kit par contre. Je vais aller voir au-dessus. Oh non, il va encore canner, vite! Ah, je suis trop lent. J'ai pas pexé assez en plus. Par là, hein, peut-être. Ah merde, si je pose des tourelles, elles vont le flinguer l'autre. Non, ça va. Ah, j'ai déjà pris une amélioration. Ah là! Yes! Ok. Hop là. Ah non, il est là-bas en dessous. Oh. Ah non, c'est bon. Pas si compliqué à trouver. Pas à rejoindre plutôt. Même pouvoir aller me doucher légèrement dans l'XP. Voilà, vite fait, vite fait. Hop, 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 c'est bon.
C'est bon, merci Gamatou pour le Prime. Bienvenue. Tourelle triple rayon, c'est tellement bien. C'est assez fort. Oh, le double épique. Oh, ça, c'est le plus 10 de chance dès le début, là. Plus 20% de dégâts des effets sur la durée. Est-ce que je peux acheter les deux? Non, je peux en avoir qu'un. Bah alors, c'est la tourelle d'office. Hein. Augmente le niveau de l'arme de 1, plus 35% de rechargement. Ouais, ouais, je le prends. Et avec l'or, bah les effets de statut, ça va être dur de dire non. Et je peux avoir plus 5% de dégâts sur toutes les armes. Non, je vais conserver, voir si je peux avoir mieux au truc d'après. Ok, de nouveau, on doit prendre de la morkite. Ouais, la tourelle de nouveau. Alors que je pexe un petit peu plus et que je trouve du sucre rouge. Deux activités relativement incompatibles. Pour pexer, c'est toujours mieux de rester sur place, justement. Surtout quand on a des tourelles. Alors là, il y a un peu dehors déjà. Je vais revenir après dans la zone pour récupérer l'XP, ce serait l'idéal. Voilà, pose-moi les tourelles, tac. De l'or, de l'or, de l'or, c'est toujours mieux que rien. Ok, et il faudrait que je retourne. Ouais. Faudrait que je retourne de l'autre côté pour aller chercher la balise en même temps. Du nitra, allez la gridance. Ah, sucre. Voilà. Oh, l'idéal, ce serait quand même de réussir à passer là. Est-ce que les lance-flammes peuvent... Avec les explosifs qui s'approchent, ça fait un peu peur. Il y a un autre sucre. Oh ouais, mais chaud là. Voilà. Oh, faut que je récupère tout ça. J'ai vulgaire. Hop. Hop. Ah là, on est bien là. Oh, le plus 10 de luck qui met tellement bien. Plus 9% de vitesse de déplacement. Vas-y, je suis tellement lent. Ah, le sucre. Perfect. Est-ce que j'aurai le temps d'aller au truc? Plus 25% de dégâts augmente le niveau de l'arme de 1. Ouais, 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 ouais. Est-ce que j'aurai le temps d'aller à la balise? Je sais pas. J'ai pas trouvé assez de morkite non plus, c'est con. Mais j'ai bien pexé. Oh, tire le rayon d'acide qui laisse des flaques corrosives au sol, inflige des dégâts d'acide. Ouais, vas-y. Oh oui! Ah ouais, d'accord, vraiment autour. Ah oui, par contre, c'est vraiment... il vomit une fois par terre et puis c'est tout, quoi. 6% de vitesse de rechargement sur toutes les armes. Parfait. Ah ouais, pour rester sur place, c'est incroyable ça. Allez, pose tout. Oui, mais de nouveau, le machin, il va canner. Hein. Rime incendie augmente le soin reçu en montant de niveau. Ça m'a sauvé plus d'une fois, ça, quand même. Hein. Oh, explose en un anneau incendiaire quand je me fais toucher. Ça, c'est quand même... tout de même. Hein. Oh, le boss s'est fait oblitérer. Oblitered. Oh, mais tous les épiques. 12% de vitesse de rechargement sur toutes les armes. Le plaisir. Ils arrivent même pas à rentrer dans la zone.
Oh. Mais le truc de fou. Oh, Nitra. Ouais, 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 ouais. Laissez-moi tranquille. 15% de dégâts critiques. Je suis à quoi là en dégâts critiques? Là, j'ai pas de modificateur là non plus. Là non plus. Chance de critique 16%. Ouais, on est bien. Hein. Donc autant augmenter les dégâts. T'es au courant que les Bretons ont des figues officielles d'arbalétriers, des balistes et des canons qu'ils appellent ordonnances qui datent de la V3. C'est du vieux lore, mais c'est officiel. Ah, les bombardes, j'avais déjà vu chez les Bretons. Bombarde, j'avais déjà vu. Arbalétrier, j'avais jamais vu, tiens. C'était beaucoup les longbows qu'ils avaient avant. Encore des épiques, mais incroyable. En fait, plus 10 de chance, c'est énorme. Oh, le plus 25% de dégâts critiques. Ah oui, je prends ça. Augmente la vitesse de rechargement de toutes les armes à rayon de 15%, plus 10% de dégâts sur toutes les armes. Je vais prendre pour la tourelle et l'augmentation pour les armes à rayon. Ouais, les armes jusqu'au level 12 pour être tranquille. Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est un, parfois un peu relou à débloquer, mais... Mais pour ça, faut Pex. Il y a du sucre. Morkit. Tellement pratique le vomi. Ça c'est bien une parole de nain, tiens ça. Oh le vomi c'est si pratique. Regardez ça. Après je tourne le dos pour que mes balles partent par l'arrière. Par contre ça disparaît très 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 vite hein. Oh. Encore un petit susu. Oh mais il y a du sucre partout. Trop bien. Il me faut de la morphite. Allez vite 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 vite. La balise est en haut. Je pars pas dans la bonne direction. Je vais faire un petit tour par le bas, repartir vers la gauche et puis remonter. Oh là là, mais il me faudrait un aimant. Hein. Faudra un aimant vraiment. Yeah. Moult ressources. Là. Allez vas-y toi. Tu as combien là? 14 sur 20. Ah c'est peut-être bien suffisant tiens. Est-ce que c'est suffisant? Yes. Parfait. Essayez de récupérer ça tant qu'à faire. Je farme pas trop mal sur cet étage, mais par contre j'ai pas trop... allez, on va prendre la tourelle, même si c'est pas le meilleur choix nécessairement, mais... Hop. Tourelle. Je l'ai pas eu là. Ah voilà. Le boss est pas encore venu. Merci Hungry Sleep Kitty. Merci beaucoup pour les 6 mois. Oh. 12% de rechargement. Vas-y. Sur toutes les armes. La tourelle encore. Augmente le niveau d'arme de 2 en plus. Oh, plus qu'un niveau pour la tourelle. Parfait. Ah oui, mais il prend tellement cher là. Il n'y a pas beaucoup de bestioles avec lui.
Il est un peu tout seul là le boss. Je crois que les autres tyrannides, ils ont appris qu'il fallait marcher dans du vomi, ils étaient pas très emballés. On aurait pu prendre la grenade, tiens, pour tester. Hop. Wow. Allez, encore un petit niveau. Ah, 20% de... Oh oui, oui, oui. Bon là, par contre, j'ai perdu des PV, va falloir que je reprenne, hein. Oh, les épiques qui se succèdent là. Waouh. 10% de durée de vie pour les tourelles. Ah non, toutes les armes durables. Le lance-flamme est considéré comme tel. Le rayon aussi. Plus 35% de vitesse de rechargement. Augmente l'arme de 1. Ce qui lui fait passer niveau 12. Parfait. Dégâts incendiaires, mais mon gros truc, il est pareil pour incendiaire, lui. Le plus 10% de durée de vie, ça me paraît sympa. Allez, vas-y, je le prends. Oh, puis les dégâts de feu, j'ai quand même beaucoup de dégâts de feu. Ok, un petit peu de sucre. Je pense que ce jeu est mieux que son grand frère. Bah écoute, je partage ce point de vue. Moi je préfère celui-là, mais je préfère ce genre de jeu. Ça me parle un petit peu plus. Mais ouais, je préfère celui-là aussi. Hop. Oulolo. Ouais, ça va être compliqué de passer, mais ça passe. J'en suis à combien? 17. J'ai presque tout eu. Ah ben là, il y en a. Ah, parfait. Pose tes tourelles. Ouais, c'est bon. Oh, pourquoi je vais là? Oh, le piège à con! Oh, le dernier carré! Tenez bon! Ah, mais cadez-vous, hein! Ok! Oh! Oh, le plus 20% de dégâts de feu, il me le faut, il est incroyable! Oui! Putain, mais... Ouh, ces projectiles de merde! Non! Ah, j'ai tellement... Ah, je me suis enterré là-dedans, saloperie! Merci à Acid League pour les 46 mois. L'overclock de la tourelle est débloqué. Ah, j'ai été m'enterrer là-dedans, quelle connerie! Ah ouais, impossible d'en sortir après. Allez. Putain, j'avais pas vu qu'on pouvait pas sortir de cette merde. Quel enfer! Plus 5% de vitesse de minage, plus 6% de crit. Putain, elle était si bien cette précédente, j'avais tellement de luck. Allez, un peu de vitesse de minage. Ça serait franchement rigolo d'avoir une run vitesse de minage à fond la caisse. Ok, par contre là il me file déjà plein de trucs. Oh là là. Merci Vinadri pour le sub. Bienvenue. Entraîner dans les tréfonds obscurs de Subnautica, maintenant j'ai peur de l'eau. J'ai un tentacule qui pousse, on m'a dit que vous étiez un gentil patron pourtant. Et oui, mais
Subnautica, ça te change un homme. Ah oui, faut qu'on reprenne Subnautica cette semaine. Moi, de niveau là, on a 1. Juste 35 de PV max, c'est sympa, mais voilà. Les soins calepin des rancunes. Calepin des rancunes, allez. Marchait pas trop mal. Salut monsieur petit avion. Comment ça va? Oui, c'est la tourelle que j'ai déjà débloquée. Bah alors on va prendre le lance-flamme, on va essayer de le débloquer lui. Là comme ça c'est l'arme que je prends dès le début, histoire d'essayer de la monter niveau 12. Merci Aurel pour le sub offert. Aou, 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 aou. Bah tiens, voilà. Hop. Hop. Plus 9% de gain d'XP. Comme j'ai pas le reste, je vais prendre. Il me manque encore 2 fleurs, hein. Bien, j'ai rien foutu de la journée. Bah écoute, parfois il en faut hein, des journées comme ça. Lance-flamme. On va prioriser. Hein. Il est niveau 3. Ah, j'aurais pu passer par là, mais non. Ah, un petit peu de nitra, tiens. Il est quand même pas non à ça. Surtout quand on le récupère avec autant de facilité. Petite fleur, ok, il m'en manque plus qu'une. Oh non, il manque une seule fleur, une seule petite. Oh! Acide électrique incendiaire. Ah, c'est trop bien ça. Oh, 40% d'un coup. Ah, ma petite fleur. Ma petite fleur! Voilà. Et moult ressources. Attends, laisse-moi. On va récolter le nitra, l'or, voilà. Et laissez-moi vous farmer le cul, si vous le permettez. Lance-flamme, plus 15% de vitesse de rechargement. Merde, il est déjà cané. 10% de vitesse de rechargement encore. Hop, 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 hop. Et encore des trucs, plus 15% de dégâts. Allez. Oh là, oh là. Oh, j'en laisse plein derrière moi, ça me désole. Oh, j'aurais pu prendre, j'aurais pu être plus grid. Oh, j'ai pas été assez grid. J'ai pas été assez grid. Oh, oh, il est là. Oh, il est là. Ah, je peux même l'acheter et avoir autre chose. Ah bah voilà, plus 25% de rechargement et plus un niveau au truc. Il est niveau 7, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Plus 9% de chance de crit. Allez. Salut à ceux qui rejoignent. Oui, il est bienvenu. En cette petite après-midi de la drogue, ne le dites à personne. Hein. Ne le dites à personne, hein. Ne le dites pas à YouTube que je passe l'après-midi sur le jeu. Alors que je pourrais faire d'autres choses. Ah, lance-flamme d'un coup. Tabasse, hein. Faudrait choper la tourelle et voir l'overclock maintenant. Voir ce qu'elle peut avoir. Plus 15% de vitesse de rechargement, encore un niveau, niveau 8. Il y a une fleur juste là. Il
une deuxième fleur, une troisième fleur, une quatrième fleur. Oh, il y a plein de ressources. Ok, on va faire un pique-nique. Je suis niveau 13. Dans deux niveaux, j'ai... Et je suis bloqué. Deux niveaux, j'ai une arme de plus. Ça m'embête un peu ce que vous faites là. Ah, voilà. Ah. Ça, c'est pas dégueu, ça. Hop, hop, hop. Hop là. Allez, encore un petit. Un tout petit. Voilà. Bah la tourelle. Ou alors je prends la grenade pour qu'on voit ce qu'elle fait et j'essaye de l'upgrade. Ouais, on va faire la mission d'upgrade et après on découvrira tous les overclocks. Ça va pas être facile d'upgrade deux armes sur une seule run. Oh les mains. Bah ça va aider. Oh, y avait rien. Oh, j'avais tout ramassé. Ah bon? Oh non, vas-y, donne-moi le... Oh, vas-y! Par pitié! Le dégât cinétique. Mais non, rien à foutre, je vais prendre le rayon de ramassage alors. Hop là, la grenade qui vient de partir, bim. Les atteindre à travers le truc. Ah non 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 non, ça bloque. Je cherchais l'arnaque, le jeu a dit non. Plus 50% de PV max. Mais non. On est niveau 9 avec le lance-flamme, on va pas faire le con. J'ai 4 sur 6 fleurs, ça va se voir. Augmente le niveau de l'arme de 2, parfait. Allez, plus qu'un pour le lance-flamme et on est good. Ah bah voilà. Et plus 35% de dégâts. Allez. Fais comme ça. Deux fleurs et le pod. Bon, on va quand même essayer de les choper là. Le pod avec le bot aux fesses. Une fleur. Oh, il y a plein de trucs. Par contre, 100% l'arrivée du pod va tuer le boss. 15% de dégâts critiques. 6% de vitesse de rechargement. Allez, vas-y. Là pour les critiques. Non, ça ne l'a pas tué, mais ça change pas grand chose. Non, mais... Hein? Ah! Aïe, ah, il veut pas ce personnage-là, il veut pas. J'ai eu que le lance-flamme, du coup. Mais il veut pas! Il veut pas ce perso! Chaque fois, je prends trop la conf. C'est pas possible! Bon, allez, celle-là, elle y est. Hein. Celle-là, elle y est, hein. Je m'en fous. Hein. Celle-là, je l'ai réussi, j'en ai rien à péter. Hein. M'en faut combien? M'en faut 12 des champis, là, c'est un peu plus. Plus 10% de dégâts pour tout. Allez, vas-y. Vous êtes trop greedy. Mais on peut pas être trop greedy sur Deep Rock Survivor. C'est le but du jeu d'être greedy. C'est l'objectif. Il faut être greedy. Si t'es pas greedy, t'as déjà perdu. Tu peux pas jouer à un nain si t'es pas greedy. C'est interdit, hein. C'est interdit par la... Le petit plus 5 de chance.
C'est vrai que du coup, plus 5 de chance, on dirait que c'est pas grand chose, mais quand tu vois ce que le 10 faisait popper comme, comme truc. Ah, plein d'or par contre. Hein, c'est lequel qui m'a touché là? Alors. Je sais pas si l'acide c'est un bon choix dès le début. Mais on va dire que oui. Juste parce que je vais pouvoir l'upgrade jusqu'à l'overclock. 15% de vitesse de rechargement. Il est max, ça a faible chance de trouver du nitra lorsque vous minez n'importe quel type de roche. Ouais, ça c'est bien pour lui. Hein. Et prochaine arme au niveau 15, je suis niveau 6. Oula. Voilà. Champi, j'en suis à 7 sur 12. L'ingrédience, c'est la santé, exactement. C'est pratique que les volants, ils marchent dans le vomi quand même. Plutôt pratique. J'ai pas assez de champi. On m'en manque 4. Bon, parfois, il peut y en avoir pas mal au même endroit. Non, au pire, j'aurai de l'or, hein. Là, il y en a 3, 4, parfait. Nice. Hop. Ouais, ça disparaît quand même très 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 vite, hein, l'acide. Par contre, les packs, qu'est-ce que ça les nettoie bien? On augmente le niveau de l'arme de 2. Pour le canon à vomi. L'alcool frelaté. Non, je vais prendre plus 15% de dégâts du canon à vomi. Le foie gras de Noël périmé. Canon à vomi augmenté d'un niveau, encore. La fondue au fromage à l'excès. Ok. Encore. La tartiflette avec des poils dessus. On peut faire pire. Si. Oh, le petit légendaire augmente la vitesse de déplacement de 12%. Mais non, le canon a vomi. Je peux avoir les deux. Oh, je prends. Et le 30% de rayon de ramassage. Ouais, j'ai bien farmé là, ce truc là. Oui! On est pas mal. Non, je vous dis, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est top. Il faut des fleurs, j'en vois. J'en vois une là-bas, puis il y en a une un peu plus bas. Là par contre, il me faudrait mon arme suivante. Oh, je suis niveau 12. Elle va arriver. Alors, il y en a une. Oh, la horde qui arrive là maintenant. Ok. Ah, le canon a vomi supérieur. Ah. La glace vanille périmée. Ah,
fuck looted. There is nitro over here. Vite, 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 donne-moi tout le litra. Pas mal. Ah, il y a une fleur là. Ah bah voilà. Il y en a une. Oh mais nickel, il y a un nid là. Hop là. Hein. J'ai déjà plein d'or. Vas-y, donne-moi un truc. Voilà, canon à vomi, plus 25% de vitesse de rechargement, augmente le niveau d'un de arme, le niveau d'arme de 1. Attends, quoi? Elle est niveau 13, l'arme, et j'ai toujours le logo... Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, l'arme est niveau 13, mais le logo de verrouillage est toujours là. Comment ça? Parce que ça se débloque à la run d'après? Ah oui, c'est que quand on arrête, ok, le logo dit. C'est normal que le logo soit toujours là. Je me suis un peu coincé. Non, c'est pas le moment de ramasser des perles. Oh non, j'ai pas vu qu'il en restait un. Ah là du coup ouais, on va prendre, on va partir sur une bonne tourelle. Oui, pose les. Voilà, le vomi, les tourelles. Ok, il arrive là, très bien. Allez, maintenant. Session PEX. Oh ouais. Monte les dégâts sur la durée. Oui. Le rayon de ramassage était sexy aussi, mais... Ah. 10% pour les armes à rayon. Pas forcément dire non à ça. Hein. Voilà, venez chercher votre sauce. Bon, il n'y a plus qu'à atteindre le niveau 6 avec la tourelle et on pourra checker un petit peu ce qu'elle peut avoir. Hein. Oh, 18% de gain d'XP, sachant que les deux autres sont pas ouf. Vas-y, explose toi. Oh. 15% de durée de vie de... Ah ouais. Par contre là, allez. Le pec c'est pas mal. Plus 15% de dégâts pour le canon à vomi, 15% de vitesse de rechargement pour les armes à rayon, allons-y. Je prends cher quand même. La vache. Oh putain, faudra que je trouve du sucre tout de suite. Hein. Non. 18% de durée de vie pour les armes durables. Bon, ça, je pense que ça se prend. Surtout que j'ai les moyens de prendre plein de trucs. Plus 10% de dégâts critiques. Je suis à quoi là en dégâts critiques? Dégâts critiques 158%. Chance de critique 8%. Donc plus 10% de dégâts critiques alors que j'ai pas grand chose. Bon. Enfin, à la limite, tu peux acheter ça pour le pistolet, mais. Pas ouf. Bon, un sucre rouge. Priorité. Un peu de nitra. Puis on va se tracasser un peu de la morquite. Bon, ça m'a remis bien en termes de PV. Où vais-je?
On ne sait pas. Allez, petit aimant là. Oh, attends, vas-y. Oh, pose les tourelles. Voilà. Bon, faites votre taf, moi je mine. Hein. Il y a une horde qui arrive justement et je suis dans un coin. Oh, il était beau celui-là. Non, non, pas par là! Il va falloir se frayer un chemin. Aouh! Ah, la mort en boucle! Ah, c'est bon, on a l'overclock! Oh, nouvelle arme, micro-cuiseur Colette! Ah bon? Ok, bah si on veut se faire des saucisses, ce sera parfait. Augmente vos dégâts, vitesse de chargement, augmente les chances de recevoir des améliorations plus rares. Ah oui, oui. Vitesse de rechargement. Augmente les dégâts. Ok. Ouais, vas-y, hein. Moi, je suis têtu, hein. On débloque des trucs, hein. Merci Rain Hunter pour les 5 mois. 15% de cadence de tir plus 5% de dégâts critiques. Rien d'intéressant. Les ch'tis de fleurs. Deux d'un coup, plaisir. Bon, les effets de statut, ça je vais prendre à la limite dans ce choix-là vu que j'en ai quand même plein. Effet de statut, c'est vrai que c'est acide plus feu. J'en aurai de toute façon soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux. Hop. J'ai déjà mes siffleurs, ça c'est bien. Oh le cuiseur! Le micro-cuiseur Colette émet un émetteur micro-cuiseur portatif qui répartit les dégâts entre tous les ennemis pris dans son cône d'attaque. Inflige des dégâts de feu. D'accord. Ah. D'accord, et alors du coup il va... Attends, j'ai pas encore trop compris la direction, mais j'ai l'impression qu'il cible l'ennemi le plus proche. Il y a le truc qui est juste en bas. Voilà, il recharge. Il y avait de l'or, mais tant pis. Ouais, je vais prendre le rayon de ramassage. Ouais, chance d'avoir du nitra, pourquoi pas. Allez, le plus 10% de dégâts. Attends, il va. Mais non, il se tourne automatiquement. Je crois qu'il va vers l'ennemi le plus proche. Combien de dégâts? Oh, augmente le niveau d'arme de 3. Cent soixante. Hein? Dégâts 106. Ah ouais. La vache. Ah ouais. Donc les dégâts directs qu'il fait sont ultra violents, il y a juste les dégâts de feu qui sont un peu plus légers après. Mais on va le tester sur le boss, tiens. Putain, il est fort. Hein. Bah alors, on n'aime pas les micro-ondes. Le plus 12 d'armure. J'ai combien moi d'armure? 4 de base. Ah oui, plus 12, c'est énorme.
Oh, je peux pas dire non. Oh! Il a cuit dans sa coquille! Ah, mais c'est un exécuteur de boss! Wouah! C'est monstrueux! Attends, j'ai farmé comme un fou là, donne-moi mieux que ça, voilà, le cuiseur, le cuiseur! Wouah, mais c'est super fort! Et en plus, c'est en cône, donc ça tape même les petits mobs! C'est incroyable cette arme. Ça passe à travers les ronces en plus. Ça passe à travers les ronces. Oh, tous les rats. Alors par contre... Oui. Bah si, ses dégâts à lui sont incendiaires. Plus 9% de chance de crit. Critique 8% et dégâts critiques c'est 158%. Donc si je joue sur le crit avec l'autocuiseur là... avec l'autocuiseur... Si je joue sur le crit avec l'autocuiseur, ça va être monstrueux. Vas-y, je le prends, j'ai les moyens en fait. Hein. Et plus 15% de dégâts critiques. Donc là, je suis à 173% de dégâts critiques et 17% de dégâts critiques. Ouais, par contre il est temps d'avoir une autre arme. Je suis quoi là, niveau 11? Quand même temps d'avoir une autre arme pour parce que ça met le temps pour recharger quoi. Sur les gros comme ça, incroyable! Plus 15% de dégâts, vas-y! Oh. Il est si violent. Ah là, il résiste un peu par contre. Oui, avec leur armure, ils résistent bien. Ils prennent quand même. Hein. Oh, que le flingue, vas-y là. 15% de dégâts, je les veux bien, mais. C'est léger. La vitesse de rechargement serait très très bien pour l'autocuiseur. J'en suis à 11 sur 12 sur les champignons, on y est presque. Ah ouais, qui est-ce qui me touche? Niveau 13. Ah là. Ouais. De l'or! La horde, elle pourrait bien me faire pex aussi. Hein. Ça pourrait me permettre de passer niveau 15 et d'avoir l'arme suivante. Le petit lance-flamme. Ah oui, le pod. Bon, je vais prendre le truc qui repousse et qui fait des dégâts de feu supplémentaires. Vas-y, cible les gros là. Plus 10% de dégâts pour l'autocuiseur, allez vas-y. On est à combien là? 14, on est presque hein.
Merde. Nouvelle arme vomi ou tourelle? Tourelle, hein. Les dégâts de zone que je vais mettre. La violence. Yes. Oh, oh, je l'ai vu. Oh, le plus 10 de chance. Oh, je l'ai vu. Non. Allez, allez. Ah, la guidance, oui. Plus 15% de dégâts, plus... Ah, plus 15% de vitesse de rechargement. Et le plus 15% de dégâts qui est donné ensuite. Plus 10% de dégâts des armes à rayon. Bah, c'est le cas de l'autocuiseur, donc très bien. Voilà. Bien ça. Profitez pour ramasser les petites ressources ici. On est très bien là. On va déjà être niveau 20 en passant directement en rentrant dans le truc d'après. Parfait, parfait. Oh. Oh. Alors ça déjà j'achète. Le petit bonus légendaire, il est niveau 10. Oh, le plus 10% de vitesse de minage, il me fait de l'œil. Oh oui, je prends. Et la tourelle qu'on va passer niveau 2. Allez. On va passer très 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 vite. Hop là, au niveau 20, effet de statut qui pourrait bien m'aider, plus 10% de dégâts critiques. Dégâts critiques, 100%, 17% de chance de critique, plus 10% de dégâts critiques. Effet de statut, c'est quoi pour l'instant? Dégâts des effets de statut, plus 10%. Allez, on va augmenter encore 10. Allons chercher de la morphite. Merci Artanis pour les 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Bienvenue. Ok, faut que je trouve des filons. Du sucre serait sans doute le bienvenu, hein. Voilà. Une petite horde qui arrive. Oh. Allez, c'est bon, on se casse. Allez, crevez vous. Je peux passer là. Ouais. Sinon c'était un scandale, hein. Allez, meurs quoi. Ah, arme à rayon, plus 10% de dégâts pour les armes incendiaires. Oui. C'est peut-être l'augmentation de dégâts pour un peu tout. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas vu qu'ils étaient si près ceux-là. What? Attends, qu'est-ce qui pose problème là? C'est ce rocher-là qui fait chier? Voilà, va falloir aller ailleurs. Ah. Ok, il y a eu une petite réaction en chaîne là-bas. Oh, merde. Oh lolo. Oh, le petit sucre. Bon, vas-y, explose toi. Merde. Hop. Voilà, donne-moi l'XP. Ça passe à travers la roche, ça passe à travers tout, mais c'est incroyable ça. Plus 10% des effets de statut. Ouais, j'aurais pu upgrade la... J'aurais pu upgrade la tourelle pour qu'elle, qu'elle fasse un peu plus, mais... Vas-y, explose les trucs.
Ils veulent pas péter. Bon, il est là. Hop là. Voilà pour la tourelle. On va aller chercher l'overclock. 15% de dégâts. Oh les mons. Oh nice. Attends, qu'est-ce que je veux? Hein? C'est quoi les petits... Hein? C'est quoi les points en dessous, au-dessus de l'autocuiseur et au-dessus du truc? On voit 4 points au-dessus de l'autocuiseur et 3... Quoi? Ça veut dire quoi ça? Les synergies. Tire un rayon rotatif incendiaire qui brûle les ennemis et inflige des dégâts de feu. Comment ça les synergies? Lourdes, rayon, rafale... Ah! Les effets qui sont les mêmes! Lourdes, rayon, rafale, feu, durable. Là c'est jetable, explosif, cinétique de zone. Ah oui, donc il a cinétique qui est le même. Et lui ici, il a quoi? Il a un rafale qui est le même que le premier. Il en a 4 qui sont les mêmes que les autres. D'accord, d'accord, d'accord. Yes. Ah ouais. Ah c'est pas mal ces petits aides pour déterminer rapidement qui est le, quel est le truc qui va le plus comboter avec les autres. Est-ce que je veux de l'acide? Est-ce que je veux le... Oh je sais pas. J'ai quoi dans les trucs là? Dégâts critiques. Dégâts des effets de statut plus 30%. Mais j'avais pas un truc qui améliorait les dégâts de feu. Parce que là, il met effet de statut, mais effet de feu, y a pas. Tiens. Étonnant, ça. L'autocuiseur, c'est feu. La tourelle, c'est feu. Restons sur le feu, alors. L'overclock pour la tourelle justement. Alors ajoute une charge supplémentaire. Les tourelles vous suivront partout. Je veux ça. Oh les tourelles sur les chenilles. Plus 3 d'armure. Plus 6% de chance de crit. Ouais je vais prendre le crit. Ouah j'ai eu tellement de trucs. Temps de rechargement 9% pour tout. Ah ouais mais l'autocuiseur je veux être sûr de l'avoir au niveau 12. Ouah c'est bon je l'aurai hein. Alors, chance d'avoir du Nitra, chance d'avoir de l'XP quand je mine. Je me casse. Oh, l'aimant, il m'a mis bien, là. Oh, regardez le boss. N'existe pas. N'existe pas. Casse-toi. Elles sont où, d'ailleurs, les trucs? Ah oh, bah, dégâts incendiaires. On va aller, faudrait quand même avoir l'autocuiseur au-dessus. Hein. Ça passe là? Non, ça passe pas. Vite, 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 vite. Ça va. Je pense que ça le fait. Faut forcer un peu, mais ça le fait! Ouh! C'est bon. Pourquoi est-ce que parfois il y a des... Mais c'est que j'en ai pas pris sur cette run là parce que parfois il y a des... Il y a des améliorations qui ne concernent que l'effet de feu. Donc indépendamment des autres. Ah j'ai pas trouvé beaucoup de nitra. Dommage ça. Plus 20% de durée de vie des effets à rayon ou alors je remplace tout. Vas-y je remplace tout. Oh merde pas de nitra. Vas-y je me soigne. Plus 25% de dégâts, mais non. 6% de chance de crit. Oh, allez, vas-y. Un mon lot de consolation. C'est ce que j'ai pas pris en fait. Parce que là, il n'y a pas. Il y a juste effet de statut. Mais par contre, il ne dit pas effet incendiaire. Parce que s'il y a la possibilité d'avoir plus X% de dégâts de feu, ça doit forcément se marquer quelque part. Ah là il est mis par contre, mais c'est que pour l'autocuiseur, feu dégâts plus 25%. Feu dégâts plus 25%. Ah il faut aller voir dedans, il me le met pas dans le résumé à gauche. Il me le met peut-être pas dans le résumé à gauche. Donc on a le... Mais attends c'est pas clair ça. Effet de statut, il le range à gauche parce qu'il considère que c'est un effet général. Mais par contre le boost de feu, il le met pas là-bas et il le met que pour les armes concernées visiblement.
Ça ressemble à ça. Faut quoi là, des fleurs? Oh, c'est trop stylé, les petites chenilles. Ah, trop bien. C'est bien parce qu'en plus elle tire dans toutes les directions. Putain, mais les overclocks, c'est tellement balèze. Tellement important. Je n'ai pas encore trouvé une seule de fleurs. Hein. Ah bah on voilà 3. 30% de rayon de ramassage, durée de vie des armes à rayon. Bon, je pense que... on va y aller là-dessus. Et deux là, j'ai quasiment tout trouvé au même endroit. Ouf. Là, il y a un joli... Hop là. On y est presque. On y est presque pour l'autocuiseur. Il y a encore des explosifs là-dedans. Ah oui, il y en avait encore un. Ça fait un peu peur ça. Oh, c'est génial les tourelles qui suivent. Oh, c'est si fort. Et ça tire en arrière et tout. Voilà, il est niveau 12. Parfait. Perfect. Un petit peu coincé là de nouveau. Hein. Vas-y. Ouais. Putain, je suis coincé. Je vais crever. Encore. J'ai débloqué le truc juste comme il faut, mais... voilà, je vais crever. Et ouais, je me suis encore enterré sur le côté. Putain, mais faut que j'arrête d'aller vers les bords. Oh, chaque fois, je débloque des trucs. Chaque fois, je me coince contre un putain de bord. C'est pas grave, j'ai pas le droit d'arrêter tant que j'ai pas réussi. Bon là, je peux quasiment tout améliorer. Plus 30% de rayon de ramassage. Ouais, c'est encore le mieux pour le début. Bon là, on va pouvoir découvrir les overclocks. Allez, vas-y pour le pistolet de base. Du coup, à mon avis, les autres, ils peuvent, les autres tourelles doivent pouvoir aussi celle de l'ingénieur. Allez, un grand rayon de ramassage implique de grandes responsabilités. Balise, du coup, qu'est-ce que je veux? On va aller vers la tourelle dès le début. Je trouve qu'elle est quand même plus efficace que le rayon d'acide, en tout cas au début. Vas-y, pose-les, je vais ramasser le machin, prendre le nitra et l'or, et puis aller récupérer le truc. Ouais, plein de ressources ici. Ouais, je veux rush le niveau 6 avec la tourelle. Oh merde, avec tous les trucs qui arrivent. Oh, plus 50% de dégâts sur le petit flingue. C'est pas ouf le pistolet, mais bon. Quoi ?
Il a même pas vibré. Il a explosé direct. Oh! Ah, il veut vraiment pas que j'upgrade ma tourelle là. Ah non, mais. Ah, augmente vos dégâts infligés d'1% pour chaque or que vous possédez. Oh, vas-y. Oh, on est parti pour ce genre de run. Ok. Attends, mais là, du coup... Augmente vos dégâts, on est d'accord, c'est ce qu'il a dit. Augmente vos dégâts infligés de 1% pour chaque 5 d'or que vous possédez. Ah oui, c'est pas 1-1. Oh, nice. Hop là. Les tourelles explosent lorsqu'elles sont retirées. Plus 1 rayon ajoute plus de rayons. Plus de rayons pour les tourelles? What? Ah ouais, elles ont 2 jets. Ah ouais, les overclock, il y a des dingueries. Je veux croire en mes tourelles. Il me manque un champi. Ce serait quand même très con de... Oh, non, il va mourir très vite. Ok, c'est bon, j'en vois un. Là. Allez, on pose les tourelles et on fait sa fête à l'autre saloperie. Oh, il a disparu. Les tourelles, elles l'ont regardé, elles ont fait... Attends, mais il a combien de dégâts, lui? Parce qu'il est tellement boosté, déjà. 116 de dégâts. 116 de dégâts. La tourelle, elle est à 17. Enfin, après, oui, c'est pas la même vitesse de jet, bien sûr, mais... Mais 116 de dégâts, putain, la violence. Oh non, il y avait un gros truc d'XP, tant pis. Oh, j'aurais pu aller le rechercher, en plus. J'aurais pu être grid. Ah oui, il faut rien que j'achète avec de l'or. J'achète rien avec de l'or. Plus 9 de gain d'XP. Alors en nitra, on a quoi? Plus 25% de cadence de tir. 25% de dégâts pour le flingue. 25% de vitesse de rechargement. En vrai, avec ces 125 de dégâts là... Ils sont où les dégâts? Plus 38% là. Lui il est à dégâts plus 115. Allez vas-y. Ah mais oui, l'overclock. Modifie le dégât en acide. Moins 25% de dégâts. Toutes les autres armes ont plus 25% de dégâts. Ça c'est très con. Bah alors dégâts acide. Hein. Et le 25% de rechargement. Ou alors 25% de cadence de tir. Ah ouais vas-y. Voilà, j'ai claqué tout mon nitra. Let's go. Maintenant, il me faut de l'or. Par milliard. Bah, du nitra aussi, hein, parce que du coup, j'aurais besoin de nitra pour pouvoir améliorer mes trucs. Comme c'est la seule chose que je claque. Oh oui. Oh. Oui, il donne un peu d'or, tiens. Tac, tac. Donc il me faudrait 500 d'or pour doubler mes dégâts. Et là, il y en a. Ça doit être faisable, hein. Swarm detected. Ok, j'ai un point de fuite. Attention aux explosifs, mais là pour l'instant c'est bon. Plus de gains d'XP. Ah oh ouais, je vais me permettre. Ah, explose toi. Ah là, on est bien niveau dégâts. Hein. Ah, on est très bien niveau dégâts. D'ailleurs, je vais prendre ça pour essayer de l'upgrade. Tiens, pouette. Vas-y, je boogeyman pour les 8 mois. Ah ouais, il y a les fleurs. Retour sur Twitch, je viens payer ma dîme. Eh bien, bienvenue, bien revenu sur Twitch. Merci pour la dîme.
Mais du coup, si j'arrive à l'overclock suivant pour les tourelles, ça pourrait être trop cool, ça. Plus 20% de dégâts des effets de statue. Donc ça profite au petit flingue qui fait déjà des dégâts de fou. Alors, en fait, je vais avoir un pistolet qui va être l'équivalent d'une ogive nucléaire à la fin. Ça va être l'équivalent de la bombe de 500 de Helldivers. Ah ouais, je vois des 250. Faudrait augmenter le crit maintenant. Faut le rendre encore plus puissant, c'est débile, mais c'est trop marrant. Oh, le 10% de chance de vitesse de minage, il me donne trop envie. J'ai combien là? Vitesse de minage, je suis à plus 22%, je pourrais passer à plus 30. Oh ouais, non, mais vas-y, je veux être l'autopiqueur. Je veux être l'autopiqueur. Autant une faible chance de trouver de l'or lorsque vous minez n'importe quel type de roche. Bah bien sûr. Oh, attends, je rêve? Ou je vais tout droit dedans? Augmente le niveau de l'arme de 2. Yes. Oh, quasiment, il s'arrête presque pas. Oh, c'est incroyable, ça. Regardez ça. Ah, il s'arrête encore un tout petit peu, quand même. Ça dépend de l'état de la roche. Allez, vite, du pex. 15%. Bon, allez, faut upgrade la grenade. Là, on a quasiment upgrade tout le reste. Je vais détruire le boss de nouveau. Oh, les dégâts du pistolet. Complètement zinzin. Dis-moi ton or, toi. Voilà, il y en a encore. Posez une petite tourelle. Ouais, il est tout seul, il va pas me faire si mal que ça. Ah, je confirme. 10% d'XP, la tourelle, 15% de vitesse de rechargement. J'ai pas du tout pris les fleurs, hein, tant pis. Ah, le plus 5 de chance. Ah non, ça coûte de l'or. Ah, bah alors ça, plus 15% de vitesse de rechargement pour la grenade et ça lui fait augmenter un truc. Ah, je prends rien. Faut pas que je reste dedans, je vais être tenté. Ah, je vais encore acheter des cerveaux-tourelles là. Oh non. Et je vais acheter mes 30e intercesseurs là. Non, j'ai dit non. Faut que je sorte de la boutique tout de suite. Peut-être prendre le sucre quand même. What? Oh, les 300 de dégâts avec le pistolet. Il me faut de la mort kit sinon. 10% de dégâts. Allez. Elle est quoi là? Niveau 11, elle va avoir un autre overclock. Et merde. Ok, je peux repartir dans l'autre sens éventuellement si ça pue la merde. Ça pue la merde! Il y a un machin là-bas. Pourquoi j'ai de la grenade là? Ok. PV max, on est en train de faire besoin de trouver de l'XP lorsque vous minez n'importe quelle sorte de truc. Ouais. Il y a tout qui est mouru là. Vitesse de...
Plus 10% de dégâts critiques. Je suis pas du tout parti là-dessus. Combien l'autre? Il est à dégâts plus 140% lui. Soixante-deux pour cent de critique et 8% de chance. On va prendre le plus 10% de cadence de tir pour le pistolet vu la puissance du truc. 10% des effets de statut. Par contre lui il est impacté là. Encore. Explose toi. Ah, qu'est-ce qu'on veut? Oh, moi je veux la plaque d'acide. Je vois rien. Vas-y, je veux upgrade la grenade quand même. Grenade, elle est niveau 4. Ah, une petite tourelle. 15% de vitesse de rechargement. Mais c'est vrai que le flingue fait trop de dégâts. Regardez ça, il sort des 300 tout le temps, quoi. Il est si violent. C'est lui qui avoine, hein. Absolument pas trouvé de mort-kit, hein, tout va bien. En même temps, j'ai tellement farmé l'XP, là. Ah, plus 50%, plus 50 PV max. Ouais, allez. Bien, parce que c'est un épique et que je peux pas dire non à un épique. Voilà. Ah non plus, je peux pas dire non. Ah, vas-y, cassez-vous les explosifs, vous m'emmerdez. Je suis à combien de vitesse de minage? Plus 70% quasi. Trop bien. Ok. Ah non, ça coûte de l'or ça. Non. Je vais perdre trop là. Oh! Il y a qu'un seul truc. Il y a plus de 25% de vitesse de rechargement, augmente le niveau de l'angle. Oui! Vite! Faut sortir! Ce serait bien que j'upgrade ma tourelle encore un coup parce qu'elle pourrait avoir. Pour avoir sa deuxième amélioration. Deuxième overclock. Les tourelles minent les murs voisins. Minent les murs voisins. Attends, je réfléchis à quel moment ça peut être intéressant ça. C'est nul, pas ça, ça attaque. Oui, ça attaque les murs, mais je réfléchis. Oui, j'ai compris. Mais pour la récolte. Vous voulez pas que je le prenne? Je vais l'essayer. Ah ouais, par contre du coup... Ah oui. Alors ça va être piégeux à mort parce que je vais pas pouvoir faire de couloir quoi. Mais Ah, et si les tourelles m'accompagnent, ça peut être marrant. Par contre, ouais, du coup, je les pose. Paf, ça me dégage tout. Hein.
town just lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Ok, horde en approche et je suis dans un coin. Tout va bien. Merci l'augmentation de la vitesse de minage. Je suis midlife. Alors que je retourne là-bas quand même. Ah mais elle cible. Elle cible en plus. Ah oui, mais elle priorise quand même sur les trucs, hein. Elle... Oh, oh, ça va si vite. Waouh, 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 waouh. Ah. Pose-les, pose-les, pose-les. Ah, il me faut du sucre, hein. 6% de gain d'XP, oui. C'est l'avant... Merde, c'est l'avant-dernier niveau ou c'est le dernier niveau, ça? Avant-dernier ou dernier, celui-là? Et vas-y, vas-y, le petit flingue, le petit flingue. Avant-dernier, ok, faut encore que je pexe un petit peu. Ah oui, le dernier, il n'y a pas de mission. Augmente le truc de 2, c'est un peu tard pour augmenter ça. Hein. Ça, ça me permet d'overclock le flingue. Moins 25% de vitesse de rechargement, plus 100% de taille de chargeur. Plus 25% de cadence de tir, 25% de vitesse de rechargement. 100% de taille de chargeur. Mais ça recharge plus lentement. Ça tire pendant deux fois plus longtemps. En vrai, le premier. Bon, les dégâts sont conséquents. Les dorsaux sont conséquents. Bon là faut que j'aille me doucher là-dedans mais va surtout me falloir max de... Le truc hein. De sucre. 10% des effets de dégâts des effets de statue, 25% de vitesse de rechargement, augmente le niveau de l'arme de 1. Elle est niveau 12. On va prendre les effets de statue. Il va canner très très vite. J'ai récupéré une mitra là. Pour la grenade tant qu'à faire. Ouais, mais essayer de récupérer ça si le boss ne canne pas avant. Et merde. Il y a une XP lorsque vous subissez des dégâts, explose dans un anneau incendiaire. Va trouver du sucre. Oh, la petite dernière. Oh, ils sont sérieux là avec tous les explosifs. Ouh, merci. Ah, il me faut du sucre. Hein. Il me faut du sucre. Augmente le niveau de l'arme de 3, non. 35% de vitesse de rechargement pour lui. Et là, 25% de vitesse de rechargement pour le... Ah bah ça, du nitra, ouais, ça se prend, ça. Ah, ça se prend, je pourrais peut-être avoir le dernier overclock avec la truc. Je vais quand même soigner, là. On est au dernier niveau. Ça, je prends. Ok, et je garde le reste parce que ça me fait quand même 50% de dégâts en plus. Pouette! Je suis bien tombé là. Hop. Allez, meurs. I've been dreaming of something like this.
Oh, c'est vrai que le... Non, c'est pas... C'est pas, c'est pas si mal. C'est un peu particulier comme bug, mais c'est pas si mal la tourelle qui mine, en vrai. Tu fais là, toi, Simba. Regardez, hop, là, ils viennent péter le truc sans que je doive rien faire. De l'or là justement, hop là, filez-moi un coup de main. Ça peut aller très très vite pour se sortir d'une situation périlleuse. Voilà, fouette, fouette. Hop là. On est assez libre de nos mouvements. Bon, faut que je trouve le... Je trouve le truc. Je suis full life, ça c'est bonne nouvelle. Encore vivant machin. Oh là du feu. Simba, arrête de foutre le bordel. Ah oui non mais ça sert à rien le nitra. L'or oui mais pas le nitra. Augmente le soin reçu en montant de niveau. Ça c'est un grand oui ça pour la fin quand même. Je suis à 300 d'or. J'en ai encore un peu là tiens. Je sais pas si ça va être la bonne. Cette fois c'est la bonne avec le foreur. Après en avoir pris plein le fion. Encore un espèce de boss qui arrive. Mais en vrai les boss leur fait tellement mal. Oh ouais. Oh, oh la vache. J'ai hâte de voir ce que ça va faire sur le vrai boss. En plus, ça tire derrière moi, donc c'est tellement parfait, quoi. La grenade, elle est niveau 8. Allez, vas-y, on va essayer de l'avoir niveau 12. On n'y est pas loin, donc c'est un peu dommage de pas l'avoir, mais... J'espère que je vais pas le regretter, parce que là, on est quand même au dernier niveau. Le niveau pour le dernier overclock des oh, les armes à rayons. C'est quoi le dernier niveau pour les trucs 18 donc là ouais il en manque un peu. Alors, on va améliorer encore le flingue, il fait tellement de dégâts, c'est ouf. Et puis pour avoir le dernier overclock qui pourrait être quelque chose d'incroyable aussi. Regardez ça, c'est absurde. Les dégâts qu'il fait. Voyons que je passe par là. Bon, la grenade, elle y est pas encore du coup. Donc le niveau d'arme de 1 pour la tourelle. On est presque au-dessus aussi. Il y a les effets de statue, mais je pourrais aller chercher l'overclock de la tourelle quand même. Oh. Non, je pourrais pas. Ça va être trop juste. Où qu'il est ? Il est où ? Il est où le gros ? Il est là. Ouais, mais... Mais voilà, overclock instable, explose à la mort laissant une flaque de feu, ajoute 3 charges supplémentaires. Nani.
Mais attends, si j'arrive pas à les placer là. Pouette, 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 pouette. J'arrive pas à les mettre toutes. Incroyable. Ouais, tant qu'à faire, on va aller chercher les... Voilà, on va se mettre bien là. Oui, mais non, mais c'est tout maintenant. Plus 4% de vitesse de déplacement, allez. Oh, mais avec le truc, non, mais on est trop confort là. Juste que... Voilà, merci. Ah, le mur de feu, c'est trop marrant. Dommage, j'ai pas débloqué la grenade, mais mais on l'a eu. On l'a eu. Ouais, mais les placer, c'est chaud avec le truc aux fesses, évidemment. Et si j'avais eu les tourelles qui me suivaient, ça aurait été fou. Overclock débloqué. Hein? Mais il était pas débloqué de base, lui? Les overclocks sont disponibles au niveau 6, 12 et 18 dans les... Comment ça? Mais il était déjà overclockable, lui. C'est plus d'overclock débloqué? Attendez, j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas compris. Pour les autres classes. Hein? Nouveau mode de classe débloqué. Choisissez lorsque vous commencez une plongée. Oh, interrogateur. Ok, bon, YouTube, on va s'arrêter là après cette belle petite session. Ah, c'est le jeu de la drogue, hein. J'ai très très envie de relancer. Hein. On va voir ça, hein. Mais bisous. Le jeu de la drogue, la session qui se termine bien. J'essaierai de faire un truc un peu plus court la prochaine fois. Allez, bisous YouTube, à la prochaine.